Il y a des grands marchés de Pongabi, c'est là où se retrouve l'économie de notre pays. Ah, économie, vous allez de manière pratique. Et là, on trouve deux femmes. Il y a des femmes qui s'étaient réveillées très tôt. Et ils ont construit des immeubles. Ils ont réalisé des grandes choses. Parce que ces femmes-là s'est réveillées. Réveille-toi. Tu te réveilleras par des idées innovatrices. Tu te réveilleras par une idée qui va t'amener dans une valeur ajoutée dans ta famille. On ne se réveille pas pour se réveiller. C'est une décision de se réveiller. On peut crier si tu dis tu ne te réveilles pas, tu ne te réveilleras pas. Alors prends la décision de te réveiller. Commence à réfléchir sur ta famille. Commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors ta lumière arrivera. La lumière va chasser le ténèbre. Amen. Et la gloire sera ton partage. Oui, des femmes qui se réveillent font prier leur famille. Lorsqu'une maman se réveille pour suivre l'évolution de son enfant deviendra un personnage. Amen. Une maman qui se réveille pour suivre l'évolution de son mari. Dans la prière, son mari va rencontrer des opportunités. Réveille-toi, la mouka. C'est à toi de penser. C'est à Dieu de fusiller en vous des idées qui va vous amener dans la gloire. Amen. J'ai dit c'est à vous de penser. Et c'est à Dieu de fusiller, d'amener les idées qui va changer votre famille. Si vous ne pensez pas pour faire avancer votre famille, Dieu n'amènera pas les idées qui va changer votre famille. Si vous ne réfléchissez pas pour faire briller votre famille, il n'y aura pas des idées de rayonnement de votre famille. Lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une femme se réveille, même les diables ne saura pas résister. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se réveiller. Ils vivent dans une vie d'accoutumée, de l'autosuffisance, une vie de monotonie. C'est comme des animaux, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils le feront demain. Et une rotation de jour en jour. Mais nous sommes appelés à changer le mouvement de notre vie pour qu'il y ait de nouvelles réactions. Regardez avec moi, il y a une femme qui était réveillée, il était devenu une étoile pour sa famille. Et vraiment, elle était une femme de marque. Regardons Proverbe chapitre 31. Regardez Proverbe chapitre 31. Voyons ce que cette femme a fait. Elle a fait des exploits. Parce qu'elle s'est réveillée. Et elle s'est réveillée tôt. Elle se réveilla tôt. Ah, à la mort qui n'a pas mort. La Bible dit, une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux.
Dis avec moi courage. 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 C'est quoi être. C'est quoi ou c'est qui une femme courageuse ou c'est quoi le courage? Courage pour casser. Souvent nous croyons que lorsqu'on parle du courage, c'est quelqu'un qui est là, en train de bouger, en train de dire que non, au monde la mate, ni à moi la courage. Non, courage est un mot. Amen. Courage est un mot. Si on a courage dans les moutons, dans la kimia, les moutons à l'eau bagarre.